Hier, on a discuté le premier chakra, le chakra de racine, le chakra de notre besoin d'être. Le mantra est l'âme, on peut dire que je suis. Le deuxième chakra, c'est juste un peu plus haut, entre les hanches, ou juste au-dessus le nombril. Et c'est le chakra sacré, ou le Svadhisthana chakra, en sanskrit. Et ici, nous sommes concernés avec notre énergie vitale, ou notre énergie sexuelle, on peut dire. Énergie vitale parce que c'est l'énergie qui crée la vie, et c'est l'énergie aussi de la mort. Le deuxième chakra est concerné avec, si le premier chakra est « je suis », le deuxième c'est « je ressens ». C'est notre droit de sentir, d'avoir de désir. Après on a satisfait nos besoins, nous avons le droit d'avoir le désir et les émotions. Ouais. Après, nous avons en sécurité, on peut commencer d'explorer les autres parties de notre être. Mais jusque on n'est pas satisfait nos besoins de base, c'est difficile d'avoir une vie plus profonde que ça. Parce que nous sommes comme un animal qui a peur tout le temps. Donc, après on est satisfait, le premier chakra, on passe au deuxième chakra. L'énergie sacrée, le droit de sentir, le droit d'avoir le désir, l'énergie sexuelle et comment on s'exprime cette énergie. C'est aussi un chakra de créativité. C'est le chakra qui est le pont entre le yin et yang de premier chakra et troisième chakra. Premier chakra, le chakra de racine, c'est l'énergie l'or, c'est l'énergie de la terre. Et le troisième chakra, c'est l'énergie de manifestation, d'action, d'énergie, le manipura chakra. Et le deuxième chakra, c'est le pont entre les deux. Et l'élément, c'est l'eau, parce que l'eau est fluide. L'élément de troisième chakra, c'est le feu. L'élément de premier chakra, c'est la terre. Donc ici, nous avons la connexion entre les deux qui règle le yin et yang de deux forces opposées juste au-dessous et en bas. La couleur de ce chakra est orange. Le mantra est VAM. Donc ici, si nous avons un blocage du deuxième chakra, ça, nous commençons d'avoir le désir de possessivité, d'avidité, de prendre les choses, de contrôler les choses. Si le chakra est ouvert, nous sommes à l'aise avec la séparation des autres. Nous sommes à l'aise avec nous-mêmes et nous pouvons trouver des moyens pour canaliser notre énergie sexuelle avec un sens de responsabilité, d'équanimité. Sinon, nous sommes contrôlés par nos désirs. Donc, le deuxième chakra, encore, c'est notre droit de sentir, d'avoir le désir, de passer au troisième chakra, de manifester les choses. Souvent, le problème d'addiction vient du deuxième chakra, parce qu'on n'est pas assez, on a bloqué le désir, on a dit non, 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 trop longtemps, et maintenant, on profite. Ou l'inverse, on a dit oui, 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 trop longtemps, et nous sommes gérés par nos désirs. Et encore, nous sommes comme des animaux qui ont soif, et la soif ne peut être satisfiée. Donc, le chakra sacré, ou Svadhisthana chakra, c'est notre thème cette semaine. Je vous souhaite une belle pratique. Namasté. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Me contacter directement. Et aujourd'hui, on commence en balasana encore. Genoux contre l'autre, cheville contre l'autre. Amenez votre front au sol. Le main vers l'arrière. Le dos de main au sol. Les yeux fermés. Et on prend 5 respirations ici d'abord, juste pour ancrer, juste pour sentir comment nous sommes dans notre peau, dans notre corps.
corps ce matin. Inspirez profondément. Vous remplissez le poumon. Expirez, videz complètement tout l'air, chaque molécule dans le poumon. Donc, on dit une respiration juste pour vous accueillir ici. Inspirez, amenez votre conscience entre vos hanches, juste en bas de nombril. Observez comment vous sentez votre bassin, comment sont le muscle, tout le bassin, le bas de dos, le sacrum, le pli de cuisse. Essayez de relâcher au max le bassin vers le table. Gardez votre conscience là. Qu'est-ce que les émotions, les désirs qui existent pour vous en ce moment? Et juste écoutez, posez la question et écoutez, attendre de réponse sans jugement, sans attente. Est-ce qu'il y a le désir que vous avez bloqué trop longtemps, ou l'inverse, le désir lequel vous disiez oui tout le temps, sans fin. Est-ce qu'il y a des désirs, des émotions plus profondes que la couche superficielle? Est-ce que vous pouvez aller plus profond? Qu'est-ce que la racine de désir que vous avez trouvé d'abord? Peut-être vous pouvez commencer de trier les désirs, les émotions que vous rencontrez. Les désirs qui vous avez besoin de satisfaire, qui fait du bien, de satisfaire, mais les autres qui sont juste le bruit ou le pollution en terre, ou qui peut être une source de blessure. Le chakra, c'est aussi lié à la peur et la vulnérabilité. Toutes nos relations intimes, nous sommes très très vulnérables. Donc nous avons une puissance incroyable pour créer la vie et aussi pour créer des blessures. Des blessures émotionnelles qui peuvent durer pendant très 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 longtemps. Donc avec cette énergie, nous avons des responsabilités importantes. Avec conscience que vous avez gagnée, grâce à peut-être petit exercice, inspirez, commencez à bouger votre bassin vers le droit, vers le gauche. Tenez la tête vers le droit, vers la gauche.
Laissez-vous bouger comme vous voulez. Suivez votre intuition, utilisez votre créativité. C'est pas nécessaire d'être un robot. Ajoutez un peu de fluidité ici. Jouez dans la posture. Prochaine inspiration, avancez vos mains. Ancrez le bout des doigts, inspirez, poussez vers l'avant. Levez-vous sur quatre pattes. Emmenez vos genoux à mille avec vos hanches. Encore le mal à mille avec les épaules. Le doigt écarté. Le vache et le chat, comme on l'a fait déjà plusieurs fois. Coulez les épaules vers l'arrière, tirez les nez vers l'avant. Expirez, roulez les épaules vers l'avant. Avancez le bassin, arrondissez le dos. Et également ici, essayez de créer un mouvement créatif qui s'exprime, vos besoins, vos désirs en ces moments. Peut-être vous pouvez faire un mouvement circulaire de dos latéral. Le bout est juste activé, le bas, le dos, les épaules, le kalamurtama. Donc explorez l'amplitude de mouvement ici, mais peut-être vous pouvez ajouter le mouvement latéral. Satisfiez vos besoins ici. Les besoins, les désirs qui sont responsables. Encore deux respirations. Et puis inspirez, amenez votre dos parallèle au sol, ouvrez la main droite vers l'extérieur, tirez le doigt en haut, recalez le bout du doigt, ancrez bien la main gauche. Et expirez, laissez la main descendre, posez le dos devant au sol, derrière la main gauche, glissez la main vers la gauche, posez la tête, le poil au sol. Si vous voulez, avancez votre main gauche. Si vous voulez, amenez le dos devant vers la main droite, peut-être vous pouvez prendre l'entière de cuisse, peut-être pas. Si c'est trop difficile, vous pouvez juste poser le dos devant sur le sacrum. Inspirez, replacez la main droite. Le par la gauche devant le visage. Repoussez contre le sol, ouvrez le bras vers l'extérieur et en haut. Et expirez, asseyez-vous sur vos talons. Passez la main droite vers l'extérieur du pied gauche. La main gauche sur le genou droit et tournez-vous vers le droit. Le dos vertical. Expirez, tirez le nombril vers le dos. Ajoutez un peu plus de torsion. La torsion activée. Le deuxième chakra. Inspirez, regardez vers l'avant, posez le main au sol, mettez-vous en quatre pattes encore, et puis ouvrez la main gauche vers l'extérieur, et en tirez la main le plus haut possible. Et expirez, la main descend, on pose le dos de main au sol, on glisse la main vers la droite, on regarde vers la droite, on pose notre tête au sol, on avance. La main droite, si vous voulez, emmenez le dos de main vers la fond. Droite, pour le bas de dos. Choisissez la même variation ici que l'autre côté. Et inspirez, posez la main droite au sol, poussez contre le sol, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur, levez la main en haut, expirez, la main descend vers l'arrière, vers l'extérieur du pied droit. On s'installe sur le talon, main droite, sur le genou gauche, expirez, tournez-vous vers la gauche, regardez vers l'arrière. Utilisez l'expiration pour ajouter un peu plus de torsion, mais avec douceur et compassion. Inspirez, regardez vers l'avant, encore, posez vos mains au sol, posez-vous sur quatre pattes. Inspirez, roulez vos épaules vers l'arrière, tirez le nez vers l'avant. Expirez, pliez le corps, emmenez le menton, la poitrine au sol. Inspirez, relevez, accrochez les orteils et poussez au talon, levez le genou, allons-vous que ça va, c'est une posture de chien tête en bas. Expirez, fléchissez le genou, glissez le bassin vers l'arrière, posez le front au sol. Inspirez, levez-vous sur quatre pattes, expirez, la poitrine, le menton au sol. Inspirez, relevez, accrochez les orteils, poussez au talon, levez le genou, relâchez la tête,
Expirez, posez les genoux au sol, reculez le bassin, le front au sol, balasana, penchez dans le front. Inspirez, quatre pattes, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, nez, mettez en poitrine au sol. Inspirez, relevez, poussez au talon. Expirez, balasana, penchez dans le front. Encore une fois. Un peu de fluidité ici. Et puis restez en balasana avec vos mains vers l'avant. Et notez comment vous vous sentez ici. Inspirez, ancrez le long corps. Accrochez les orteils, expirez, poussez au talon, levez le genou, penchez le chien, tête en bas encore. Et encore, faire le mouvement qu'il faut faire ici. Vous pouvez marcher sur place, vous pouvez lever un pied et l'autre, vous pouvez plier le genou, vous pouvez créer un mouvement circulaire. Utilisez votre créativité, s'exprimez ici. Écoutez vos besoins, vos désirs et satisfaites les désirs qui sont responsables. Qui fait le bien pour tout le monde. Encore une respiration. Et inspirez, tendez les jambes. Prochaine inspiration, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, fléchissez le genou, avancez le genou entre le ventre. Posez le genou gauche au sol, inspirez, levez la main vers l'avant et en haut. Expirez, avancez le bassin. Prochaine expiration, emmenez vos mains dans l'intérieur des pieds, glissez le pied un peu vers l'extérieur. Soit vous avancez le bassin, soit vous posez les avant-bras au sol et penchez vers l'avant. Inspirez, replacez la main au sol. Redressez-vous, posez la main droite sur la hanche droite, main gauche sur le genou gauche, expirez, tournez vers le droit. Gardez la main droite là, inspirez, levez la main gauche en haut, expirez, penchez vers l'arrière. Inspirez, tournez-vous vers le devant, levez la main droite, laissez la main gauche descendre vers la jambe et penchez vers l'arrière. Regardez votre pied. Inspirez, regardez vers l'avant, avancez la main droite à l'intérieur des pieds. Gardez la main gauche à l'intérieur des pieds, la main droite en haut. Expirez, amenez la main droite au sol, accrochez les orteils gauche, tournez les orteils vers la gauche, le pied parallèle, ancrez la plante de pied, et on tire l'intérieur de la cuisse ici. Inspirez, tournez-vous vers l'avant, te tapis encore. Expirez, passez le pied droit vers l'arrière. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et en haut. Expirez, avancez le pied entre le main, le genou droit au sol. Inspirez, levez la main vers l'avant et au plafond. Avancez le bassin. Prochaine expiration, amenez vos mains à l'intérieur du pied. Choisissez la même variation que l'autre côté. Soit on avance le bassin. Si c'est possible, posez vos avant-bras au sol, penchez le lézard. Inspirez, relevez-vous, posez la main gauche sur l'hanche, la main droite sur le genou, cheville en ligne avec le genou, expirez, tournez-vous vers la gauche. Prochaine inspiration, levez la main droite. Expirez, penchez vers l'arrière, le bras le long. Inspirez, levez la main en haut. Expirez, laissez la main droite, descendre le bras gauche le long de la tête. Regardez votre pied droit. Inspirez, regardez vers l'avant. Amenez la main droite à l'intérieur du pied. Tournez le palme de main gauche vers l'extérieur, le bras vertical. Et puis expirez, amenez la main à l'entrée des pieds. Tournez vos orteils vers le droit. Gardez le genou gauche fléchi, la plante de pied au sol si c'est possible pour vous. Tirez la cuisse droite.
Inspirez, tenez-vous vers l'avant du tapis, encore. Expirez, passez le pied gauche vers l'arrière. Inspirez, lavez le pied droit, encore. Expirez, avancez le pied entre, en posez le genou gauche au sol. Inspirez, lavez le main haut. Expirez, le main à l'entier du pied. Ajoutez un peu de fluidité. Si vous voulez, pliez le coude, posez les avant-bras au sol. Inspirez, redressez-vous, posez la main droite sur l'hanche, main gauche sur le genou. Inspirez, lavez la main gauche, expirez, penchez vers l'arrière. Inspirez, lavez le dos en haut, expirez la main gauche, descendez vers l'arrière, bras droite le long de la tête. Avec une expiration, tenez, inspirez, regardez vers l'avant, expirez, posez la main gauche à l'entier de pied, levez la main droite, on va ajouter une posture ici. Inspirez, amenez vos mains au cœur et posez votre coude gauche au genou droit. Très bien. Expirez, posez la main à l'entier du pied. Tenez les orteils vers la gauche, amenez la plante de pied au sol. Inspirez, tenez vos orteils vers l'avant, la main à chaque côté du pied. Et expirez, passez le pied droit vers l'arrière. Inspirez, lavez le pied gauche vers l'arrière et en haut. Expirez, avancez le pied. Posez le genou droit au sol. Inspirez, enlève le main. Expirez, on pose le main à l'entier du pied. Et on plie vers l'avant à l'intérieur du pied. Inspirez, on redresse. On pose la main gauche sur l'hanche, main droite sur le genou. On tourne vers le gauche. Inspirez, lavez la main droite vers le plafond et penchez en arrière. Inspirez le deux mains vers le plafond, regardez vers l'avant. Expirez, main droite vers l'arrière, bras gauche le long de la tête, regardez votre pied. Inspirez, regardez vers l'avant, posez la main droite à l'entier du pied, tournez la paume de main gauche vers l'extérieur. Inspirez, emmenez vos mains au cœur, le coude droit au genou. Essayez d'emmener vos mains au centre de votre thorax. Expirez, posez les mains à l'entier des pieds. Tournez les orteils vers le bas, plantez les pieds au sol. Essayez de gagner la fluidité, la créativité ici. Inspirez, pivotez les orteils vers l'avant du tapis. Expirez, passez le pied gauche vers l'arrière. Et encore, satisfiez vos désirs ici. Vous avez le droit de sentir. Vous avez le droit de vouloir donc bouger un peu quand vous voulez, danser. Il n'y a aucune règle. C'est pas sérieux, c'est juste le yoga, donc profitez. Inspirez, tendez les jambes. Prochaine inspiration, avancez le pied droit et gauche, entre l'avant et expirez, penchez vers l'avant. Faites n'importe quel mouvement, n'importe quelle prise ici. Vous pouvez croiser vos bras, prenez le mollet, cheville, talon, orteil. Vous pouvez balancer un peu, vous pouvez rester statique. Juste essayez d'éviter de rebondir, ça peut créer des chocs musculaires et le blocage musculaire. Prochaine expiration, relâchez vos mains vers le sol, pliez le genou, amenez le genou contre l'autre et inspirez lentement, levez-vous. Votre tête, vos épaules sont la dernière partie qui arrive. Inspirez, levez la main par l'extérieur et au plafond. Et expirez, la main descend par l'extérieur, on relâche la tête vers le sol et on revient en bas. Inspirez, relevez, on fait monter l'énergie Kundalini. Encore l'inspiration, on ouvre le bras vers l'arrière et en haut. Expirez, on redescend. Imaginez que vous êtes tiré depuis le sommet de tête vers le sol et inspirez, l'énergie monte par le jambe, par le bassin, le long du colon vertébral, une partie à la fois jusqu'à ce que ça arrive au tête. À la tête et au bout du bras, encore une fois. Nous sommes gonflés et puis dégonflés.
prochaine expiration, amenez vos mains au cœur et fermez vos yeux. Notez comment vous vous sentez d'être debout ici la première fois cette séance. Et observez si vous avez des blocages émotionnels, blocages d'énergie vitale, des blocages de désir, ou trop de désir, trop de soif, trop de satisfaction. Pas dire que juste parce que nous avons des désirs, c'est bien de satisfaire tous les désirs. Il faut trier pour garder l'équilibre. Inspirez, ouvrez vos yeux, levez le vent en haut, expirez, laissez le vent descendre par l'extérieur et penchez vers l'avant. Prochaine expiration, amenez le pied droit et gauche vers l'arrière. Posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied lentement. Posez le genou gauche au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et en haut. Expirez, main droite sur la hanche, main gauche sur le genou. Inspirez, tenez-vous vers la gauche et ouvrez vos mains. Expirez, avancez les mains. Inspirez, revenez au centre. Expirez, laissez les mains descendre vers le derrière des cuisses. Emmenez le bras droit le long de la tête. Inspirez, ouvrez vos bras encore. Expirez, posez les mains à l'entier des pieds. Levez la main gauche en haut. Prochaine inspiration, tenez les orteils gauche vers le gauche et posez la plante des pieds au sol. Gardez la main en haut. Inspirez, ancrez bien votre main droite. Vous êtes très fort ici. Et essayez de passer le pied droit devant le pied gauche. Nous sommes sur le côté du pied. Essayez de pousser le bassin en haut plus que laisser le bassin descendre au sol. Très bien. Si c'est facile pour vous, inspirez, essayez d'avancer le pied droit en ligne avec votre hanche droite. Expirez, posez la main gauche au sol. Emmenez le genou au centre. Fléchissez le genou et levez le pied vers le plafond. Expirez, posez le pied au sol. Très bien. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière. Expirez, avancez le pied entre les mains, le genou droit au sol. Inspirez, levez la main en haut. Expirez, main gauche sur la hanche, main droite sur le genou, tournez-vous vers la gauche. Inspirez, offrez le bras et tournez-vous vers le droit, vos mains écartées. Expirez, avancez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, main droite sur le derrière des cuisses. Main gauche, le long de la tête. Inspirez, ouvrez le bras encore. Revenez au centre. Expirez, main gauche à l'entier du pied. Main droite en haut. Inspirez, levez le genou droit. Tournez les orteils vers le droit. Ancrez bien le pied. Ancrez bien la main gauche. Expirez, passez le pied gauche. Devant le pied droit. Nous sommes sur le côté du pied. Poussez le bassin en haut. Si c'est facile pour vous, avancez le pied gauche en ligne avec la hanche gauche. Expirez, posez la main droite au sol. Inspirez, fléchissez le genou et levez le pied gauche vers le plafond. Expirez, posez le pied au sol. Restez en posture de chien tête en bas. Vous pouvez faire n'importe quelle variation ici. Et prochaine inspiration, on avance le pied droit et puis le pied gauche entre les mains. Expirez, relâchez. Inspirez, levez-vous lentement en bassin. La main passe par l'arrière et en haut. Expirez, emmenez la main au cœur. Et on va répéter la même séquence encore une fois. Le but est fluidité, donc adaptez comme vous voulez. Inspirez, levez la main. Expirez, passez la main vers l'arrière. Et on redescend vers le sol. Prochaine expression, passez le pied gauche et droit vers l'arrière. Posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière. Et en haut, expirez, avancez le pied entre les mains. Posez le genou droit au sol. Inspirez, levez la main en haut. Expirez, main gauche sur la hanche, main droite sur le genou. Tirez le sommet de tête vers le plafond. Tenez-vous bien. Très bien.
Inspirez, ouvrez le bras et tournez-vous dans l'inversant vers la droite. Expirez, avancez la main gauche. Inspirez, retrouvez votre centre. Expirez, main droite sur le derrière des cuisses. Main gauche, le long de la tête. Pendez la main vers le sol. Inspirez, revenez au centre. Expirez, main gauche à l'entrée du pied. Levez la main droite. Inspirez, tournez les orteils droits vers le plafond. Levez les genoux. Ancrez bien la main gauche, le pied droit. Expirez, passez le pied gauche devant la main, le pied droit. Si vous voulez, expirez, avancez le pied, gardez les jambes tendues, pieds en ligne avec la hanche. Expirez, posez la main droite au sol. Inspirez, amenez votre genou au centre et vous lavez le pied vers le plafond. Très bien, le pied au sol. On fait le côté droit. Inspirez, lavez le pied droit. Expirez, on grimpe par vers l'avant, genou au sol. Inspirez vos mains hautes. Expirez, tenez-vous vers la droite, main sur la hanche, main sur le genou. Inspirez, ouvrez vos bras, tenez-vous vers la gauche, alignez les mains. Expirez en avance, inspirez en recoule, expirez en penche en arrière, main droite vers le sol. Inspirez, on revient au centre, expirez main droite à l'entier de pied, main gauche vers le plafond. Ancrez bien la main, tenez les orteils gauche vers la gauche, plantez les pieds au sol. Et puis, passez le pied droit devant le pied gauche. Inspirez, avancez le pied en ligne avec l'hanche. Expirez, main gauche au sol. Inspirez, genoux au centre et lavez le pied vers le plafond. Expirez, posez le pied au sol. Faites n'importe quel mouvement ici. Puis trouvez une posture statique, puis lâchez le talon vers le sol. Inspirez, lavez le talon. Expirez, posez le genou sur le côté du tapis, amenez le pied au centre. Reculez le bassin, avancez la main, posez le front au sol. Et fermez vos yeux. Amenez votre conscience juste en bas de nombril. Deuxième chakra, chakra orange, le chakra de désir, de sensation, de émotion. Le chakra de fluidité, de l'eau. Comment est-ce que vous vous sentez ici? Peut-être vous pouvez sentir l'énergie qui a monté depuis le racine de dos, soit le sthana chakra, et qui monte plus en plus vers la tête. Peut-être vous vous sentez souple, un peu chaud. Vous avez chaud. Inspirez, poussez dans la main, levez la tête, ouvrez les yeux, regardez vers l'avant. Accrochez les orteils, poussez au talon, glissez la hanche vers l'arrière encore. Penchez le chien tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche entre la main et puis le pied droit. Expirez, penchez vers l'avant. Expirez, fléchissez le genou. Inspirez, relevez-vous lentement. Levez vos mains par l'arrière et en haut. Expirez, amenez vos mains au cœur et fermez vos yeux. Est-ce que vous pouvez sentir l'énergie qui monte le long du canal vertébral? Rappelez notre séance d'hier. Ancrez bien le pied. Plus qu'on pousse contre la terre, le plus d'énergie monte. Le long de la jambe vers le bassin, le long de la colonne vertébrale vers le sommet de tête. Peut-être il y a une vibration dans le corps. Et inspirez lentement, ouvrez vos yeux. Écartez les orteils, ancrez le bout des orteils, amenez le pied le plus plat au sol possible.
Expirez, relâchez vos bras le long de votre corps. Ancrez bien, transférez le poids au pied gauche. Poussez très fort là, comme hier. Et inspirez, enlève le pied droit vers l'extérieur. Expirez, ancrez bien au centre, ne touche pas le sol. Essayez de garder cette côté verticale. Donc on ne favorise pas le côté gauche. On utilise la force, la pression dans le pied gauche. On pousse contre le sol et ça garde notre corps vertical. La prochaine fois, on revient au centre. Inspirez, glissez le pied le long de la jambe jusqu'à ce que vous pouvez prendre votre tibia, peut-être votre genou, et tirez la cuisse vers vous, serrez les omoplates. Et peut-être vous restez ici, peut-être vous pouvez ouvrir le bras droit vers l'arrière. Peut-être vous continuez de regarder vers l'avant, peut-être vous pouvez regarder votre main droite. Inspirez, tournez le visage vers l'avant, emmenez la main au cœur, ouvrez le genou vers l'extérieur et posez la plante de pied contre la cheville ou le mollet ou la cuisse. Regardez la partie de l'arbre. Inspirez, levez vos mains en haut. Tirez le bout de doigt au plafond. Poussez le pied contre la jambe, jambe contre le pied. Et si vous êtes à l'aise, expirez. Penchez-vous dans le sens de votre genou, vers le bas. Inspirez, revenez au centre. Expirez, emmenez la main au cœur. Je sais, ça fait longtemps. Inspirez, emmenez la cheville vers le genou. Soit vous restez ici avec le genou écarté, soit vous expirez et commencez à fléchir. Fléchir le genou. Inspirez, on relève. Emmenez le tibia vertical, expirez, glissez le pied le long, la jambe jusqu'à le sol. Relâchez le bras, bougez un peu le jambe. On va faire le côté gauche, donc ancrez le bout des orteils, pied plat. Expirez, relâchez le bras, inspirez, écartez le pied droit vers l'extérieur, expirez le pied vers le centre. Et jouez avec votre équilibre ici, ça va prendre tout le posture suivant, plus facile. Et c'est un mouvement lent, lent et fluide. Encore une fois. Inspirez, glissez le pied, la langue, la jambe, jusqu'à ce que vous pouvez prendre votre tibia, votre genou, les orteils actifs. Serrez les omoplates. Expirez, ouvrez la main gauche vers l'extérieur, en ligne avec le pas, soit vous regardez vers l'avant, soit vous regardez vers l'arrière. Inspirez, tenez le visage vers l'avant, emmenez la main vers le genou, encore expirez, écartez le genou. Posez le pied contre la cheville, le mollet ou la cuisse, plus haut ou plus bas que le genou. Emmenez la main au cœur. Inspirez, levez vos mains en haut. Et expirez, on plie vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, emmenez la main au cœur. Inspirez, emmenez la cheville vers le genou, écartez le genou. Soit vous restez ici, soit vous expirez, vous pliez le genou, vous emmenez le coude vers le tibia. Et inspirez, relevez, emmenez le tibia vertical, expirez, glissez le pied le long, la jambe jusqu'à le sol. Relâchez le bras et bougez un peu, dansez un peu, s'exprimez, détendez le mollet, les jambes. Et on va répéter la même séquence, chaque côté. Donc, le bras le long du corps, pied ancré, cheville touche. Inspirez, pied droit vers l'extérieur. Expirez, pied au centre. Extérieur, centre. Encore une fois. Inspirez, levez le genou, prenez le genou. Inspirez, offrez la main droite vers l'arrière, peut-être vous regardez vers l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, écartez le genou, posez la plante de pied à l'intérieur de votre jambe. Plus haut ou plus bas que le genou. Inspirez, levez la main en haut. Et expirez, pliez dans le sens de l'autre genou.
Inspirez au centre. Expirez la main au cœur. Inspirez la cheville vers le genou. Expirez, fléchissez le genou. Inspirez, relevez. Emmenez le tibia vertical. Expirez, posez le pied au sol. Ancrez le pied droit. Relâchez le bras. Tout de suite, inspirez, ouvrez le pied gauche vers l'extérieur. Expirez au centre. Encore deux fois. Inspirez lentement, levez le genou, prenez le tibia, dos vertical, inspirez, ouvrez la main gauche, peut-être vous regardez vers l'arrière, inspirez, regardez vers l'avant, emmenez la main au cœur, écartez le genou, posez le pied où vous pouvez, le même niveau que l'autre côté, inspirez, levez la main en haut. Expirez, penchez vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, la main au cœur. Inspirez, cheville vers le genou, genou écarté. Expirez, fléchissez le genou. Inspirez, relevez, emmenez le tibia vertical. Expirez, le pied au sol. Amenez le pied en ligne avec la hanche, relâchez le bras, fermez les yeux et bougez comme vous voulez. Exprimez vos besoins, vos désirs et les satisfiez ici. Bougez comme vous voulez, aucune règle. Utilisez la créativité. Vous avez le droit d'être, vous avez le droit de bouger, d'avoir le désir et satisfier le désir. Il faut trier, mais on ne bloque pas le désir, on canalise le désir pour les choses qui n'aident pas, qui ne servent rien ou qui créent la blessure, on canalise cette énergie autrement. Aucun blocage. On satisfait le désir avec responsabilité. Et le reste, on canalise. On fait des autres choses pour monter l'énergie vers la manifestation des autres chakras. Revenez au centre, fermez les yeux. Inspirez, ouvrez les yeux lentement. Écartez les pieds, tournez les orteils vers l'extérieur. Pliez le genou, descendez, malasana. Parshvakrupi, deux doigts. Faites comme vous pouvez. La meilleure posture est la posture que vous pouvez faire. Et expirez, posez la main au sol. Posez-vous sur vos genoux. Asseyez-vous sur vos genoux. Posez le dos de la main sur la cuisse. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière. Et fermez les yeux. Essayez de relâcher le bassin vers le talon. Si ça fait mal, vous pouvez poser quelque chose entre le mollet et le fessier, ou vous pouvez croiser vos jambes et asseyez-vous au sol. Comment est-ce que vous vous sentez ici? Inspirez lentement, ouvrez vos yeux. Écartez la main, emmenez la main en ligne avec les épaules. Expirez la main droite, descendre soit vers l'intérieur du pied droit, soit vers l'extérieur du pied gauche. Main gauche sur le genou droit. Et tournez-vous vers le droit, regardez vers l'arrière. Tirez la tête vers le plafond. Expirez, tirez le nombril vers le colonne vertébrale. Et inspirez, tournez votre visage vers l'avant, ouvrez la main encore, et expirez, soit la main gauche à l'intérieur du pied gauche, soit l'extérieur du pied droit, main droit sur l'extérieur du genou gauche. Et inspirez lentement, tournez votre visage.
atterrissage vers l'avant. Si vous voulez, bougez un peu la hanche, le bassin vers le droit, vers la gauche. Et revenez au centre, inspirez, levez vos mains par l'extérieur et vers le haut. Et expirez, laissez les mains descendre par l'extérieur et vers le bas. Inspirez vers l'arrière et en haut. Expirez vers l'arrière et en bas. Encore une fois. Et cette fois, quand vous levez la main, entrelacez le doigt et poussez le paume de main vers le plafond, ancrez le bassin vers le talon. Imaginez que vous êtes tiré dans les deux sens. Vous êtes ancré, mais quelque chose vous tire vers le ciel. Et expirez, emmenez vos mains au cœur. Et si glissez le bras gauche à l'intérieur de votre bras droit, le coude à l'intérieur, croisez les avant-bras, la main droite vers l'arrière, et si vous pouvez poser le paume de main contre l'autre. Inspirez, glissez vos mains en haut. Expirez, glissez vos mains vers votre cœur. Et encore quatre respirations comme ça, connectez le mouvement et la respiration. Et si vous voulez ajouter des autres mouvements, des autres éléments vers le droit, vers la gauche, on peut monter comme un serpent et descendez dans le même sens. Vous pouvez bouger n'importe comment, c'est vous qui décidez. Satisfiez vos désirs responsables ici. Et les désirs qui n'en sont pas utiles ou qui pourraient être une source de blessure, canalisez cette énergie autrement. Fermez les yeux et focalisez. Prochaine expiration, relâchez vos bras, emmenez vos mains au cœur encore. Et expirez, glissez le bras droit à l'intérieur du bras gauche, croisez les avant-bras, main gauche vers l'arrière, paume devant contre l'autre, et on recommence. Inspirez, main en haut, expirez, main au cœur, et puis ajoutez votre créativité, votre élément X qui est unique à vous. Lâchez vos sauts devant vos genoux, levez votre bassin et comme un chien qui est content, juste bougez votre bassin vers la droite, vers la gauche. Lâchez la tête, vous pouvez bouger vos épaules, votre tête aussi. Et puis expirez, lancez-vous sur vos talons encore. Amenez vos mains vers le bas du dos, le bout du doigt touche. Avec une expiration, serrez vos omoplates et essayez d'amener la paume de main vers l'autre. Si la paume de main ne touche pas, ce n'est pas grave, juste faire ce que vous pouvez ici. Avec une expiration, peut-être vous pouvez glisser vos mains plus haut, serrez les omoplates, roulez les épaules vers l'arrière un peu, expirez encore plus haut, peut-être, peut-être pas. Expirez, glissez vos mains en bas et attrapez la cheville ou la tibia juste au-dessus. Et inspirez, tirez sur la tibia, coulez les épaules vers l'arrière, serrez les omoplates et regardez vers le plafond. Et vraiment tirez contre votre jambe et ancrez bien la jambe. Et utilisez la tension pour pousser le cœur vers l'avant et regardez vers le haut. Fait monter l'énergie depuis la racine. Et expirez, relâchez. Débrouillez vos mains. Et croisez vos chevilles. Expirez, roulez-vous vers l'arrière. Et ici, attrapez vos pieds. Et utilisez la tension dans le bras des abdos pour rouler au dos. Ancrez les omoplates. Emmenez le genou, la cheville contre l'autre, tirez vos genoux vers vous. Si vous voulez, vous pouvez entrer vos genoux avec vos avant-bras. Essayez de garder le bas de dos vers le sol. Avec une expiration, avancez le pied gauche
et inspirez, levez le pied droit vers le plafond. Imaginez que vous ancrez le pied contre le plafond, les orteils vers la tête, emmenez la main derrière la cuisse et tirez le pied vers vous, gardez les jambes tendues, ancrez les omoplates au sol, gardez le poitrine ouvert, ancrez le derrière du genou gauche. Continuez à pousser le talon vers le plafond et expirez, fléchissez vos genoux. Posez la main gauche sur l'extérieur du genou droit. Ouvrez la main droite vers l'extérieur, deux devant au sol et expirez, tirez le genou vers le pas gauche. C'est plus important de garder la cuisse vers la poitrine que toucher le sol avec le genou. Et regardez vers le droit. Inspirez, tournez votre visage vers le haut. Expirez, ramenez au centre. Posez la main sur le genou droit et tirez votre cuisse vers vous. Inspirez, fléchissez le genou gauche. Passez la main au genou gauche et avancez le pied droit. Le derrière le genou au sol. Inspirez. Levez votre pied vers le plafond, entrelacez le doigt derrière la cuisse, poussez le talon vers l'eau, les orteils vers la tête, et expirez, commencez à tirer votre jambe vers vous. Continuez, poussez le talon vers le plafond, ancrez les épaules, le bas du dos. Expirez, fléchissez le genou. Posez la main droite sur l'extérieur du genou. Ouvrez la main gauche vers l'extérieur. Donnez la main au sol en ligne avec le pas. Expirez, gardez la cuisse vers la poitrine et guidez le genou vers le pas droit. Tenez le visage vers la gauche. Si vous voulez, fermez vos yeux. Canalisez votre énergie vers l'intérieur. Prochaine inspiration, tenez le visage vers le plafond. Expirez, emmenez le genou au centre, posez la main sur le genou. Expirez, tirez votre cuisse plus près. Inspirez, fléchissez le genou droit, la main sur le genou, tirez vos cuisses encore plus près. Expirez, laissez la plante du pied descendre au sol. Vous voulez être capable de juste toucher le talon avec le bout de doigt. Emmenez le pied en ligne avec la hanche. Donc si vous avez vos bras le long de votre corps, vous pouvez toucher le bout de majeur contre le talon. Vous avez le bon alignement, la cuisse en verticale. Ancrez le derrière le bras, les épaules. Emmenez le menton vers la poitrine. Inspirez, levez le bassin, mais juste un peu, 2-3 cm. Nous sommes intéressés par l'articulation de bassin, l'amplitude de mouvement, l'ondulation. Donc expirez, roulez le bas de dos. Imaginez que vous glissez votre sacrum, votre coccyx, le bas de dos vers les épaules. Et on exagère l'arche, le corps, à le bas de dos. Expirez, on amène le bas de dos plat au sol et on relève le bassin juste un peu. Et expirez, le bassin redescend, le dos est plat au sol, et on glisse, on imagine que on glisse le bassin vers les épaules, nous avons le petit arche au bas du dos. Inspirez, l'arche est plat, on pose le bas du dos au sol et on relève le bassin. Donc c'est vraiment l'articulation vers l'arrière et puis vers l'avant, comme vous. Ça détend le muscle au bas du dos, le nerf au bas du dos.
assouplir le sacrum. Si vous avez mal au dos, c'est une bonne pratique pour vous pour faire au quotidien. Si pas plus souvent que ça. Connectez le mouvement avec la respiration. Encore une fois. Et gardez votre repas au sol. Glissez le pied vers le côté du tapis. Et emmenez le genou au centre. Contre l'autre. Ouvrez la main au plafond et fermez vos yeux. Avec une expiration, écartez le genou vers l'extérieur, glissez le plante pied au centre. Le tapis et posez le plante de pied contre l'autre. Relâchez le genou vers l'extérieur. Les yeux encore fermés. Reconnectez avec la respiration. Peut-être vous pouvez sentir l'attirement de muscles à l'intérieur des cuisses, le pli de cuisses, de hanches. C'est l'étirement. Évolue. Luttez pas. Vous êtes secure. Vous gardez votre confiance malgré la séparation. Vous évitez la jalousie, l'avidité, la possessivité. Les effets d'un deuxième chakra trop fort, les addictions aussi, les attachements. Emmenez votre conscience juste en bas, votre nombril entre les hanches. Et notez qu'est-ce qui se passe. Au niveau des sensations, mais aussi plus profond des émotions, le désir qui existe. Expirez lentement, satisfaites un désir. Et avancez le pied, laissez les orteils tomber vers l'extérieur, savasana. Et on observe qu'est-ce qui se passe au deuxième chakra hanche. Entre les anges, le siège de notre énergie vitale, notre sexualité, nos désirs, la sensation, la créativité, le siège de la vie, mais aussi de mort. Identifiez les désirs qui vous emmènent vers le fond de votre champ, la finalité, votre but. Et triez ces désirs des autres qui vous emmènent vers le blesseur, le désir d'avoir plus, l'attachement. Et recanaliser des énergies, des désirs inutiles vers des désirs utiles. Des désirs qui vous emmènent plus près de votre vrai soi, votre vrai être, votre vérité à l'intérieur, la plus haute forme, manifestation de vous. On nourrit le bon désir et on canalise, on pirate l'énergie de mauvais désir. Vous continuez de nourrir le bon grain.
Ici, nous sommes vulnérables. Comme d'habitude, nous lâchons l'intime. Donc, il faut agir avec responsabilité, humilité, pour éviter de blessures. Avec puissance énorme, nous avons une responsabilité importante. C'est bon, quand vous êtes prêt, commencez à bouger les doigts, les orteils, la mousse du visage. Et encore, manifestez le désir responsable ici, bougez votre corps comme vous voulez. Emmenez le bras gauche vers l'arrière. Et expirez, fléchissez vos genoux et roulez sur votre côté gauche. Et relâchez-vous ici, détendez-vous ici. Et peut-être vous pouvez observer la transformation depuis le début de séance jusqu'à ici. L'évolution de souplesse, l'évolution de sensation, la connexion avec le corps, la respiration, l'esprit là. Et puis expirez, posez vos mains au sol, inspirez, poussez vos mains contre le sol, levez-vous, croisez vos jambes, emmenez le manque, gardez les yeux fermés, le dos droit. Inspirez, notez l'énergie qui circule dans votre corps. Peut-être c'est plus léger qu'avant, vous êtes plus libre, plus souple, plus confortable dans votre corps. Inspirez, vous vous remerciez d'avoir exprimé vos désirs, connecté avec vos désirs, vos besoins. Et avec une expression, vous vous remerciez d'avoir pratiqué, satisfait le désir dans une manière responsable et raisonnable. Nous avons le droit d'avoir le désir et satisfier le désir, mais ce n'est pas tout le désir que nous avons besoin de satisfaire. Et on pourrait canaliser cette énergie autrement. Vous êtes une personne incroyable, parfaite, intelligente, complète. Et j'apprécie sincèrement que vous avez partagé votre perfection, votre vulnérabilité avec moi. Namaste. Inspirez, commencez à glisser la main contre l'autre, échauffez la main, accélérez un plus, un plus, un plus. Et puis couvrez la main avec les yeux. Et donnez un petit massage aux yeux ici. Transférez la chaleur au visage. Et relâchez la tête vers le sol. Avec une inspiration, gardez les yeux couverts, mais ouvrez les yeux. Et puis lentement, progressivement, laissez le dos de monde descendre vers le genou. Et revenez au sol, au monde.
remercier pour votre temps ce matin. Vous avez le droit de sentir. Et après, il faut juste faire le tri. Canaliser les désirs qui n'ont pas utile. Faire les désirs qui nous emmènent vers notre vrai soi, notre vérité à l'intérieur. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.